les gens ils sont méchants. Toi-même tu comprends rien. Oh. La réalité, moi je te le dis, c'est la lumière qui domine la canoë. Oh. Ne calcule pas toi, la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Il s'agit là de votre rarissime et charmante future épouse, Excellence, mesdames et messieurs. La future
mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue du 4e arrondissement de la commune de Libreville. La mairie du bonheur vous souhaite la bienvenue. Nous souhaitons passer en votre présence un moment inoubliable. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Entre deux êtres, nous allons nous assurer de la présence effective des témoins des futurs mariés. Le futur époux pour témoin à sa droite, Monsieur Atumba Désiré et Madame Atamba Manfumbi Aline, veuve Vigoundou. Du côté de la future épouse, Monsieur Goma Nguyen Eli et Madame Mayagi Germaine née Kingi. Le futur époux, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Vous êtes Monsieur Mangara Claude Randolph, domicilé à Ovendo. Vous êtes né à 19 août à Libreville, dans la province de l'Estuaire. Enseignant-chercheur, vous êtes le fils de Monsieur Mangara Goris Gaston et de feu Madame Kumba Bondi Geneviève. Vous êtes de nationalité gabonaise. Est-ce bien de vous dont il s'agit? Oui, monsieur le maire. Présentez-vous à l'assistance. Le premier va pour nous vantard de la mairie du Bois. La future épouse, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'acte de mariage vous présente comme étant Mademoiselle Guignanga Ngoma Lydia, domiciliée à Midoubé 2. Vous êtes née le 29 mai à Port-Gentil, dans la province de Louvain-Maritime. Enseignante, vous êtes la fille de M. Ngoma Ngimbi Eli et de feu Mme Mberkuna Virginie. Vous êtes de nationalité gabonaise. Est-ce que c'est bien de vous dont il s'agit? Oui, monsieur le maire. Présentez-vous à l'assistance. Tous les documents nécessaires pour la célébration de cette union. Dès réception du dossier complet, ce mariage a été affiché à la porte de notre mairie pendant 10 jours, comme la loi nous le demande. Après les 10 jours de publication, nous n'avons reçu, bien entendu, aucune opposition écrite. Nous avons donc dressé un certificat de non-opposition que l'on vous délivrera à la fin de cette célébration, en même temps que les actes de mariage. Vous avez également fourni dans le dossier les actes des enfants que vous avez eus ensemble. Mangara Randi Azap
Ngoma Mangara Chris Gédéon, Kumba Mangara Claude Précieuse Virginie. La légitimation de ces enfants interviendra automatiquement par le mariage que je suis en train de célébrer, conformément à l'article 438 du Code civil. Le Code civil, nous allons nous lever pour la lecture des articles de la loi. Article 252 nouveau. Par l'effet du mariage, le mari, les époux, s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours, assistance. Article 253 nouveau. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille, à la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254 nouveau. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas l'origine du danger auteur des violences peut être autorisé par le tribunal à voir avec ses enfants un autre domicile. En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259 nouveau. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. Le juge peut prescrire au débiteur de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en ordonnant des saisies sur salaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Faire un choix matrimonial. Celui de vivre sous la forme monogamique, sous le régime de la communauté des biens. Les articles 177 et 232 du Code civil stipulent que je dois vous demander de confirmer votre choix. Monsieur Mangara Claude Randolph, vous avez choisi la monogamie. Est-ce que vous maintenez que vous renoncez à la polygamie? Oui, monsieur le maire. Vous avez choisi le régime de la communauté des biens. Est-ce que vous confirmez votre choix? Je confirme, monsieur le maire. Mademoiselle Guignanga Ngoma Lydia, il vient de confirmer que c'est vous. Seul qu'il souhaite avoir à ses côtés dans sa vie maritale. Vous seul. La loi demande à ce que je vous pose les mêmes questions. Mais la loi ne vous oblige pas à donner les mêmes réponses. Ah ben, c'est à elle de voir. Elle peut décider que, ah, mais monsieur le maire, vous savez que nous, chez nous, on a beaucoup d'échanges. Et que nous pouvons accueillir 2, 3, 4 co-épouses, co-chisa. Ce que femme veut. Mademoiselle Guignanga Ngoma Lydia, est-ce que vous confirmez que vous choisissez la forme monogamique? Oui, monsieur le maire. La
la communauté des biens. En République gabonaise, la communauté des biens commence le jour du mariage. Elle est le fait réduite aux acquêts. La communauté des biens, c'est votre poche, sa poche. Sa poche, votre poche. Est-ce que vous confirmez votre choix? Je confirme, monsieur le maire. Confirme donc leur choix. Leur confirmation ne souffre d'aucune hésitation. Nous comprenons qu'il n'y a pas eu de négociation, mais plutôt une conjonction de conviction et de détermination sous l'onction de la passion de vos émotions avec précision. Quand ce mariage sera scellé par la signature, il n'y a que 4 dispositions prévues par la loi qui pourraient le dissoudre. La première disposition est appelée le divorce, quand il est légalement prononcé et signifié à la partie adverse. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. La deuxième disposition est une décision de justice prononcée s'il y avait une déclaration d'absence. En paro! La troisième disposition est si dans les procédures il y avait eu une difficulté, un vice, et que le mariage était annulé. Il ne peut pas comprendre, c'est autre chose. La dernière disposition, vous la connaissez. C'est une disposition profonde. Une disposition, quand on y réfléchit, c'est celle-là qu'il faut souhaiter aux mariés en termes de rupture. Bien entendu, en espérant qu'elle intervienne le plus longtemps possible. Mais c'est une disposition inévitable, regrettable, déplorable, lamentable, effroyable, épouvantable, insoutenable, insupportable, exécrable, inoxydable. Nous prions le Très-Haut qu'elle intervienne le plus longtemps possible. Amen. Le décès de la laissée. Monsieur Mandara Claude Randolph. Voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Guignanga Ngoma Lydia, ici présente. Monsieur, la question qui ne se pose plus. Oui, monsieur. On applaudit. Mademoiselle Guignanga Ngoma Lydia. Consentez-vous à prendre pour époux légitime
Monsieur Mangara Claude Randolph est ici présent. Oui, monsieur Dobé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les futurs époux viennent de consentir à se marier. C'est en vertu du consentement mutuel et solennel de ces futurs époux. En ma qualité d'officier d'état civil du 4e arrondissement de la commune de Libreville, que moi, Axel Jason Denis Ayenoué, je vous déclare M. Mangara Claude Randolph et Mademoiselle Guignanga Goma Lydia, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous êtes dorénavant unis légalement par les liens du mariage. Nous achevons la phase protocolaire. Nous entrons maintenant dans la phase des symboles. Le premier symbole est caractérisé par un bijou. Pour accueillir le bijou appelé Alliance, nous accueillons la porteuse d'Alliance. Pas qu'elle mentine. Alors, précieuse, qu'est-ce que tu nous as apporté? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Des blagues. Ce sont les blagues de qui? Papa et maman. Papa et maman. Mais alors, explique-moi pour que je comprenne. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces blagues, papa et maman? Ils vont porter au bois. Au bois. Mais quand je regarde, moi, je regarde tes doigts, je ne vois pas de bague. Pourquoi tu n'as pas de bague? Parce que tu peux encore m'arriver. Ça, c'est la belle lèvre. Mais précieuse, dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Quand tu seras grand, tu veux te marier? Oui. Et tu voudrais que ton futur mari, il soit comment? Beau. C'est bien, tu as de l'ambition, mon enfant. Merci. Voilà. Oui, merci. Précieuse, tes parents sont là et tu as porté des alliances pour tes parents. Oui. Tout à l'heure, il y a une soirée. Oui. Est-ce que tu es invité à cette soirée? Oui. Qu'est-ce que tu vas boire à cette soirée? Le gin. Le gin. Qu'est-ce
qu'est-ce que papa va boire à cette soirée? Qu'est-ce qu'il aime boire? Corona. Quelle petite complicité. Et maman, qu'est-ce qu'elle va boire? La robe. Merci, mon enfant. On applaudit pour elle. Que Dieu la protège. Sa chaussure s'appelle la Randolph. Et Randolph, chez les Sénégalais, ça écrit Ranfou. Lydia, je ne sais pas trop ce prénom. Luna. Dépasse cette alliance, symbole de mon amour. Amen.
faire un peu le vous gesticuler les mains avec les armes. Bien. Vous venez de nous montrer à suffisance que vous êtes un couple romantique. Et vraiment, en vous regardant tous les deux, en un instant comme ça, j'ai repensé à moi-même. À l'époque, avec Alphonsine. Amouila, on était sur une pirogue, elle et moi. C'est le lac bleu. En fait, on était même trois, si je me souviens bien. Il y avait moi, Alphonsine et Mounzéou. Non, Mounzéou, c'était notre chien. Et on était comme vous deux, comme ça, on était comme sur le Titanic. Et on s'est souvenu qu'à la fin du Titanic, le bateau coule. Et on ne voulait pas que notre bateau coule. On a jeté Mounzéou dans l'eau. Parce que vous devez couler, votre bateau ne coulera pas. Claude, retire tes lunettes et pose-les sur la table. Tu n'en auras plus besoin. L'estoyité par le parfum de la nativité. Le mariage. Et tu renais en elle. Approche-toi d'elle. Et soulève la moustiquaire. Avec douceur, papa. Douceur. C'est ton côté, pas pour moi. Approche-la par les hanches. Il sort de sa poche le gloss. C'est un gloss à la framboise de Konja. Attrape-la par les hanches. Fais-lui un bisou sur le front. Le bisou sur le front s'appelle le bisou du protecteur. Un bisou sur le menton. Le bisou sur le menton s'appelle le bisou du confident. Pourquoi tu filmes bien? Un bisou sur le nez. Elle a le goût.
Dracula. Elle va lui caresser délicatement la baldichette. Elle n'en peut plus. Elle gesticule de gauche à droite. Monsieur, tu vas la stabiliser, l'approcher et l'embrasser. Yeah. Whoa, 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 whoa. It's a yeah. Don't tell where she see me now. Don't tell where she see me now. Vos documents du mariage, les voilà. Vous pouvez les remettre à l'un de vos témoins qui vous les rendra à la sortie de cette célébration. Recevez nos sincères et chaleureuses félicitations. Voici vos documents du mariage. Vous les garderez précieusement. Vous aussi, vous n'hésiterez pas à solliciter notre mairie pour légaliser les copies de ces documents. Nos portes vous seront toujours grandement ouvertes. Toutes nos félicitations. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, sauf les mariés à toutes les derrière. Nous voilà arrivés au terme de notre célébration. Et au terme de notre célébration, on vous adresse toutes nos félicitations. Félicitations pour ce tact amoureux, à forte portée sociale que vous venez d'accomplir. Par cet acte du mariage, vous associez deux familles, peut-être même plus, à former une seule famille. Vous aidez donc le Gabon à toujours consolider son ancrage dans l'unité nationale. Un mariage permet d'unir plusieurs familles qui deviennent une seule famille. Vous vous êtes rencontrés dans des circonstances, le coup de foudre. Oui, le coup de foudre. C'est quand la foudre tombe sur le poteau. Elle n'épargne aucun fil sur ce poteau. Et elle n'épargne personne qui a touché le poteau. Ce jour-là, à Bellevue, elle accompagnait sa défunte grande sœur se faire presser chez Inès. La sœur de monsieur. Il était là, vacancier. Il revenait de Dakar. Il était en stage à sa trame. Et ce jour-là, ils se sont croisés, yeux dans yeux. Les cœurs ont battu de chaque côté. Il a demandé à Inès, mais qui est ce bébé?
qui est ce milieu. Inès se prit entre deux feux. Elle était obligée d'organiser une rencontre. Et la rencontre a été organisée. Le premier rendez-vous au carrefour d'Awenji. Ils se sont parlé, raconté leur vie qui commençait, la pluie, le soleil, le beau temps. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Hélas, ils devaient retourner sur Dakar. Mais même depuis Dakar, il ne l'a pas laissé respirer. Puisqu'il s'appelle Randolph. Et que Randolph en Wolof veut dire. Elle est restée folle. Au rond-point d'Awenji. À l'attente pendant 3 ans. Et quand il est revenu, il lui a dit calme ta folie. Car je suis moi-même fou de toi. Et sur ce, je t'emmène à la mairie du bonheur. On applaudit. Il y a une morale dans cette histoire. Il est important de retenir la morale des histoires. La morale de cette histoire. Non. La morale de cette histoire, il faut toujours aller se faire tresser chez Inès. Même si vous ne la connaissez pas, cherchez sa même Inès. Dès qu'elle te dit, je m'appelle Inès, je dois le faire, c'est chez quand Dieu a décidé de mettre deux personnes sur le même chemin, quelle que soit la distance et quel que soit le temps, personne ne pourra les séparer. Soyez dans la joie, dans le bonheur, dans la plénitude. Vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes des mariés du bonheur. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous devez transporter le bonheur partout où vous allez. On vous donne le bonheur, c'est pour que vous puissiez le partager. Que votre mariage soit toujours dans la joie, afin qu'il puisse ouvrir le cœur des autres. Ne soyez jamais loin l'un de l'autre. Je vois la croiser les mains, c'était comment. Si vous avez froid, mais voilà, couche. Voilà, c'est pour toi. C'est officiel. Tu ne peux plus te cacher, tu dois t'affirmer. Je ne comprends pas, vous les mariés aujourd'hui. Là, il y avait un marié, il vient ici, il revient de Lagos, il est assis là-bas. On finit de célébrer, tu le voyais, il est là, madame, je fais kilomètre à la ronde. Madame, qu'est-ce qui se passe, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous dire, marié et femme, il y a quel problème, monsieur? Je le regarde dans les yeux, je dis, monsieur, approchez-vous de madame, touchez-la. Il me regarde avec les yeux, on dirait le E. Ça sort comme ça sort. Je dis, approche-toi. Après, j'ai compris que c'était une affaire de Commonwealth. Donc, c'est madame qui est venue à ma rescousse. Elle a regardé son chou. Elle lui a dit, baby, touch me. Le monsieur avait les tresses ont commencé à bouger seul. Il s'est rapproché de la femme. Je lui ai dit, you touch me.
Ah, moi je ne les regrette pas. Tu l'as mérité du bon. Ah, ne t'étouffe pas. Le passé est dépassé. Papa, faut revenir avec, peut-être tu vas toucher. Non, parce que c'est comme ça, là, le mariage. Tu dois toujours la mettre en valeur. Comme vous arrivez même dans une soirée, tout ça, là, c'est elle qui doit être seulement le centre de ton attention. Quand quelqu'un vient te parler, tu dis pardon, je n'entends pas, je n'entends la voix que de Nouna. Jusqu'à tout à l'heure, même les gens jaloux, les filles jalouses, je dis comment cette Nouna, qu'est-ce qu'elle a? Et toi, tu les regardes et tu dis ce qu'elle a, ce don du ciel qui la rend belle. Vous êtes les mariés du bonheur. Il faut que vous ayez conscience de ça. On doit vous reconnaître à distance. Dès qu'on vous voit, vous êtes en route. Hey Marco, ça c'est les mariés du bonheur, tu sais ça comment. Mais regarde-les quand tu les vois, ils sont toujours collés. Marchez dans au Konja au collé. Oh, vous êtes à Mouina au collé. Oh, vous croisez à Manjindoulou au collé. Même à Sété Kama au collé. Vous êtes même au supermarché, vous poussez le chariot tous les deux ensemble au collé. Vous allez à Dakar dans l'avion, madame, pour seulement que la tête sur les genoux de monsieur au collé. Vous allez à l'église, c'est monsieur qui fait le signe de croix sur madame au collé. Madame est à la cuisine, elle a fait épiler la banane, monsieur vient de l'air qu'elle gourma au collé. Monsieur est assis au salon. Il suit la finale de la Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain qui est en finale. Avec Messi, le champion du monde, et Mbappé, le malheureux. Elle vient s'asseoir sur ses genoux. Collé ! Et elle devient la télécommande. Pendant qu'elle est assise, elle comprend quelque chose qui vibre sur elle, la cuisse. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Monsieur se lève avec son téléphone. Il va dans le couloir. Madame la suit derrière. Quel point tu connais? Madame, c'est fort. Vous oubliez souvent qu'il n'y a pas le réseau au salon. C'est ce que l'on souhaite, le bonheur. Il n'y a rien d'autre. On vous souhaite le bonheur, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Parce que dans votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Mais le bonheur, l'amour d'être à deux, ça va vous aider à surmonter toutes les épreuves difficiles. Le bonheur doit avoir le dessus sur toutes les épreuves de votre mariage. N'oubliez pas que votre mariage a un impact également sur les autres. Nous voulons que votre mariage soit une onction. Une onction qui coule pour vous, sur vous, sur vos enfants.
mais aussi surtout les célibataires de vos familles respectives. Vous êtes venus avec beaucoup de célibataires. Mais tu as quand même la qualité des cris. Amen. Et ça, c'est quoi? Non, mais là, tu sens comment que célibataire en lui aussi. Bon, ok. Recevez. Non, lui, ça m'a dit que parce que c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge, mais il y a eu normal aussi que je la regarde comme un ressemble. Ah, ben, ben. J'ai dit, maman, quand tu arrives, tu sens que 80 ans arrive, laisse. Même la main, tu n'arrives plus à lever. Je reçois. Mais ça me cause des problèmes, cette histoire. Mais la dernière fois, je vais le marier venir avec sa mère. Et quand on a dit que recevait, la mère aussi commence à recevoir. La force se fâche maintenant avec sa mère. Et maman, tu reçois quoi? Papa est à la maison avec l'attention. J'ai voulu intervenir. J'ai voulu dire que monsieur, madame, la mariée me dit, monsieur le maire, ne mettez même pas le pied là-bas. Je dis pourquoi. Elle me dit, ça c'est le corbeau et sa mère. J'ai oublié pendant l'entretien de vous préciser que c'est toujours important que vous puissiez dire aux parents quand vous venez ici que vraiment vous venez ici, c'est la mairie de Plein-Niger. Toujours dire aux parents, quand vous entendez Plein-Niger, vous regardez même les noms des quartiers, Tahitiga, Akaunamenga, Glass, Nkombo, vous entendez même les noms des maires, Bayenwe, Okwalanga, Ogouma, Rabochongo. Donc les noms des miennes, hein. Vous dites que là, quand vous arrivez là-bas, oh, comportez-vous, là-bas c'est la mairie des miennes, oh. Les filles miennes, quand elles sont là-bas, quand vous dites que recevez, tu vois, c'est comme si le bord de la rivière, elles reçoivent. C'est dur parce que dès que tu emmènes les filles chez la venue du quatrième, dès que tu dis que recevez, bon, je blague. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Accompagnez toujours les mariés par votre amour, par votre sympathie. Ne jetez jamais de l'huile sur leur feu. Et Dieu vous le rendra. Quant à vous, un petit tuyau, monsieur, un petit secret. Si tu es rentré tard, vous connaissez les femmes, quand tu rentres tard, parfois elles peuvent fermer la porte à clé, elles laissent la clé derrière la porte. Quand tu rentres comme ça, tu n'arrives pas. Bon, avec nous autres, ça marche, parce que nous qui avons les gros ventes, quand tu tires, elles vont rouler. Et là, tu vas lui montrer ce qu'on appelle le zouk batou. C'est-à-dire que tes reins doivent passer un message à ses hanches.
Et ces anges doivent passer un message à son cerveau. Qui lui va passer un message à ses nerfs. C'est tout simple, ça se joue à ce niveau-là. De se tenir debout. On va se lever, on se lève.
Et je vais vous demander à tous et à chacun de regarder maintenant vers la porte. Quelques indications avant que la porte ne s'ouvre. Si tu es fatigué et que tu ne peux pas taper dans tes mains, tape avec le pied comme je le fais maintenant. Ça va servir d'applaudissement. Si tu veux que cette histoire d'amour soit aussi belle et longue que l'histoire d'amour d'Abraham et de Sarah, tu peux poser un peu de joie maintenant. Si tu es pour que ce mariage réussisse, tu peux aussi prendre le mouchoir qui est sur la scène devant toi et tu vas l'agiter comme ça. On prend le mouchoir à la dernière seule agite. Et maintenant, je vais demander à ce que la porte s'ouvre encore. Parce que nous recevons tout de suite maintenant, monsieur et madame Mangara. Mesdames et messieurs,
Quand je suis arrivé ici, j'ai été choqué positivement par ce monsieur. Parce que vous avez essayé de rivaliser avec lui, mais il avait une longueur d'avance. Voilà pourquoi il s'appelle CNM. Claude Randolph Mandela. Alors, monsieur Mandela, alors ce reste là. Pour ceux qui suivent l'actualité politique française, on a chassé François Fillon de la présidentielle en 2017 parce qu'il avait offert des costumes à 13 000 euros à Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, c'est le même tailleur qui a réalisé. Là, c'est le maquillage. Là, maintenant, on va faire ça en réel. Je vais demander à ce qu'ils sont là de reculer un peu. Il va faire dans cette direction 12 pas. Donc, on va diviser la salle en deux. Ici, vous dites waouh. Là, vous dites classe. Vous dites quoi là-bas? Waouh. Donc, pour que la fête soit belle, participants. Waouh. Vous êtes dans quel quartier, la salle bière, vous dites? Ici c'est waouh, on y va? Waouh! Là-bas c'est classe! Il y a que les femmes ici là, c'est pas grave. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il va poser le pied au sol, donc s'il fait ça, vous balancez waouh. Et s'il fait ça, classe! Donc c'est censé donner quelque chose comme ça. Waouh! Classe! Waouh! Classe! Donc c'est pas moi la star, c'est lui la star. D'accord? Alors, c'est 12 pas. Quand tu fais les 12 pas, tu fais ce qu'on appelle dans notre jargon un 360. C'est censé donner un truc comme ça. Donc, c'est 12 pas. Donc, 6 de ce côté, 6 là. Donc, on commence par. À chaque cocher. Mais le tel cocher, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Ça va, c'est pas grave. Bon, il commence alors par classe. Voilà, les waouh. Bon, mesdames et messieurs. On commence maintenant avec le CRM. Avec le CRM, mesdames et messieurs, pour que ce soit quelque chose de particulier, on participe. C'est parti. L'algorithme de Facebook s'est affolé. 75 millions de followers ont suivi et ont regardé sa photo. Ce qui fait d'elle la femme la plus suivie au monde, déclassant ainsi la reine d'Angleterre qui veut l'équiper. À cet effet, puisqu'elle a marié l'homme le plus élégant que l'année 2023 nous offre, elle va faire également 8 pas. Mais pour que ce soit encore plus classe, on va compliquer l'affaire. Tu lèves la main gauche et tu salues comme la main droite. Maintenant, c'est le même procédé, sauf qu'on change un peu les termes. Là, vous dites chic et là, vous dites caviar. Mettez le cœur à partager le direct et saluez ma femme avant ce sujet. Madame Mangara s'avance, mesdames et messieurs, c'est 8 pas et nous commençons à lui d'abord le malin. Yeah.
Madame Andorra, c'est parti. Are made possible.
Oh, oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you are God enough. Oh,
ici, j'ai ma fille. Et ici, j'ai également mon fils. J'ai ma mère. Je te laisse aller dans ton foyer avec la paix du cœur et que le Seigneur tout-puissant t'accompagne. C'est une immense joie de vous retrouver ici parce que nous formons une grande famille de là où tu te trouves. Aujourd'hui, en stage, je tiens que ta grande famille te soutient et qu'on attend de toi les meilleurs résultats. Amen. Sur ce, nous sommes venus faire la fête et que Dieu nous bénisse. Merci.
Merci. Et maintenant, la dernière étape du cérémonial, messieurs, vous pouvez s'arrêter déjà à vos invités déjà là. On va dépasser la table, s'il vous plaît.
Yeah.
zéro. Ouvrez les portes. Regardez dehors. Et vous allez apercevoir l'acteur principal du film, Monsieur et Madame Mandala 2, de retour. Je descends, je m'avais ouvert la portière. Je m'avais ouvert la portière. Non, je vais ouvrir, laisse. Non, laisse, moi je vais ouvrir. Non, laissez la bonne voiture monter, laissez la voiture monter, après vous ouvrez la portière. C'est très beau, ça va faire bon. Laissez la voiture monter légèrement. On peut pas. Parce que vous recevez maintenant. Monsieur et Madame Mandala, décédés de leur part rapprochée. Monsieur et Madame Mandala, votre garde rapprochée commence. Avant vous, Maïsel, c'est parti. Et chacun reste à sa place. On reste le passage. Yeah.
Peuple fort. Monsieur, madame Mandara, vous restez là, s'il vous plaît. Je vais donc inviter maintenant à me rejoindre pour rencontrer le Diaji, le Diaji, le grand, le grand, le bon grand, le grand petit. Là, c'est ça, ça. Je vais demander à quelques personnes déjà de se mobiliser. Camilla, Eric Kelly, Pierre, Vista, Wilma, Femme, Ursia, Claudia, Ornella, Madame Kouda, Eric Kouda, Aristide, Kandala, Charles et Amel Oman de la première promotion transport et logistique de l'Institut de technologie de Vendôme. Vous pouvez maintenant avancez, s'il vous plaît. Bonjour, dans le chemin, on peut se faire. Équipe, équipe, consisto, consista. Un homme marié.
seul le Dieu soit le centre de votre culte. De la part de la première promotion transport logistique de l'Institut de technologie de Bordeaux, ce colis livré en écotermes électriques. Monsieur le Président.
On nous a dit que
adapter. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Comment? Et dans Kotaya? Oui. Kotaya? Oui. Bater. Oui. Répondez, Kota? Oui. Bater. Oui. Soukouté? Oui. Et à Kabiété? Oui. Bater. Oui. Alors la chère au monde. Ah. On applaudit le Kota. Le côté de l'homme. Mais oui, on sait que vous êtes venu boire cadeau. Je ne compte pas là-dessus. C'est bon? Non, si c'est un nouveau billet, je viens. C'est nouveau. On applaudit pour le mari. Oh, il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Maman, l'homme. Est-ce qu'il y a des gars qui mangent ici? Ils sont là. Il y a des gars qui servent ici? Il y a des gars qui servent ici? Le peuple, je sens qu'il a envie de donner quelque chose, mais il y a une esprit. Sors de ta poche. Tu n'as même pas vu, tu peux marcher. J'ai marché, marché. Mais tu ne trouveras personne qui est bandit. Regarde tous les papiers là, c'est pas grave, de prendre ce lieu, tu es jeune à la fin. Oh, non, tu n'es pas obligé. Thank you.
donc j'ai pas. C'est pas mal. Mesdames et messieurs, Vinus. Vous-même, vous voyez comment il me chasse maintenant, monsieur Vinus.
Thank you.
C'est pas ton âme.